Nous sommes au magasin Sale de Québec. Je suis avec Jordan dans le plein air. Nous, dans l'émission, on aime cuisiner à l'extérieur. C'est sûr qu'on s'est gâté, puis on est allé avec la Cadillac. Hein? En effet, oui. 30 000 BTU de puissance, et c'est parfait. Rassure-moi, je suis pas obligé de travailler avec ça pour avoir du plaisir. Non, non, absolument pas. Des petits réchauds butane comme ça, ça se vend à 19 $ à prix régulier, souvent même en spécial. C'est le petit réchaud à tout faire. Exact. Petit réchaud que les gens vont avoir chez eux, faire une fondue en cas de panne. C'est des petits réchauds qui fonctionnent au butane. Okay. C'est 8 000 BTU. Okay. C'est amplement suffisant pour se faire à manger, faire bouillir de l'eau là, dans 2 minutes facilement. Là. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça? En fait, c'est la compagnie Jetboil qui fabrique les petits réchauds de randonnée, en fait, des tasses pour se faire un bouillon, un café rapidement, des trucs comme ça. Okay. Ont développé le réchaud familial, 2 ronds, 10 000 BTU chaque rond. Hein? Donc, le standard d'à peu près n'importe quel réchaud de camping, de char ou... n'importe quoi dans ces alentours-là, sauf qu'ils ont décidé de faire l'aspect compact. Donc, il va se plier en deux, qui fonctionne au propane. Donc, on peut utiliser ça là, toute saison, sans problème. Le résultat final, là, c'est gros de main. Exact. C'est magique, là, c'est compact. Ouais. Puis, je suis content parce que tu as sorti la poêle avec laquelle on travaille. Oui. On travaille avec une poêle en fonte. Ça fait tellement de job, c'est l'enfer. C'est indestructible, ça garde sa chaleur. Vous pouvez mettre ça sur un feu de bois, sur un poêle à bois, n'importe quoi. Ça va encaisser n'importe quoi. Puis si vous êtes bon pêcheur puis que vous voulez faire, mettons, en même temps, un doré, un brochet, une grise puis une mouchetée, plus, mettons, des œufs, ben ça te prend le format géant comme ça qui est disponible. Vous allez trouver ça partout.